Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de LED pour le Forester 2010 avec la compagnie ZDAT, ZDATT, qui va être disponible dans le lien ci-bas si vous voulez en acheter. Donc, c'est un LED vraiment à 360 degrés. Il y a des chips partout, tout le côté. Donc, ça procure vraiment un bon éclairage dans la housing. Même si vous n'avez pas des projecteurs, ça va quand même bien éclairer. Puis ce qui est le fun avec ceux-là, c'est vu que c'est 360, ça fait pas un jet qui est directement propulsé de chaque côté du lens. Fait que ça aveugle pas tout le monde en tant que tel. Là. Eux autres, c'est des 9006 pour le Forester 2010. Ça vient avec un petit adaptateur comme ça. Donc, il va faciliter l'installation pour les endroits qui sont plus ou moins accessibles. Il y a le petit module de conversion qui est directement bolt-in dessus, donc pas d'autres plugs. Fait que moins qu'il y a joint, moins que ça fait de problèmes d'étanchéité, puis il y a une plug bien standard là-dedans. Fait que pour l'installation, ce qu'on a à faire, c'est tasser le liquide lave-glace ici. Fait qu'on enlève la petite pin. On va tasser le liquide lave-glace derrière le bumper pour le hood. Fait que ça nous laisse tout l'espace vraiment pour travailler ici. Fait qu'on a la petite plug qu'on peut enlever avec la lumière. Donc ici, j'ai l'ampoule. J'ai installé déjà le petit adaptateur directement sur l'ampoule parce que dans le Forester, c'est pas nécessaire de l'installer en premier sur le véhicule car c'est très très facile d'accès, vous allez voir. Tout ce qu'on a à faire, c'est on rentre l'ampoule ici. Ensuite, on la tourne comme ça et voilà. C'est fait, c'est installé pour ça. Ce qu'il reste à faire, c'est plugger et allumer. Dans le Forester, ce qui est plaisant, c'est qu'il y a une petite braquette, juste ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on peut mettre directement le câblage de la lumière dedans. Fait que ça va solidifier un petit peu plus l'installation pour ça. Ça va bien faire. Donc, je vous allume ça. Alors, évidemment, on est en plein jour, donc ça éclaire quand même bien. Je vais faire une vidéo ce soir là, pour montrer vraiment là, qu'est-ce que ça donne en soirée. Donc ça ici, sur le Forester 2010, ça se trouve être les hautes. Ce sont les DRL dessus. J'ai aussi installé pour les fogs. Je vous montre ça tout de suite pour les fogs. Alors on voit ici pour les fogs. Ce que j'ai installé, c'est le 6000K. Fait que 6000K qui donne une lumière très très blanche. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo un petit test avec les 2500K, les Golden Yellow qu'ils appellent, ainsi que les 8000K, les Blue. On peut changer seulement la petite lens, je vous explique ça dans deux minutes. Alors, je ferai pas de test avec le 2500K ou le 8000K, fait ben trop frais pour démarcher tout ça, ça me tente pas. À la place, je vais aller dans l'établi, puis dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment ça fonctionne pour démonter la lumière ainsi que le visuel des couleurs. Alors, on y est pour le test de nuit pour les LED ZDAT pour le Forester 2010. Alors, vu que c'est un automatique, dès que je vais le mettre sur le D, ça va être juste les LED qui vont allumer, vu que les LED sont sur les hautes. Les lumières basses pour ce véhicule-là, c'est des HID 5000K d'origine là, pour ça. Donc, ça, c'est seulement avec les LED. Ça ici. Là, je vais allumer. Ça, c'est les HID d'origine du véhicule. Avec les fogs. Donc, les fogs ZDAT qui sont ajoutés pour cela. Et si j'envoie les hautes, donc ça, c'est les LED avec les lumières d'origine seulement du véhicule, là, les HID d'origine. Et si on retourne au HID d'origine, on allume les fogs. Donc, c'est ce que ça donne. Je vais vous montrer à l'extérieur qu'est-ce que ça peut donner. Donc là, on voit ici seulement les fogs, évidemment, qui sont en LED. Ça donne un bel éclairage pour ça. Et si je switch sur les hautes, comme ça ici, fait que là, évidemment, les fogs sont partis. On a seulement les hautes en LED qui éclairent beaucoup plus que les HID d'origine. Ça ici, HID d'origine, ceux-là, je ne sais pas si on voit bien quand même à la caméra, là, il fait beaucoup d'éclairage. Donc, et voilà le test de lumière.